mais mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Merci Saint-Esprit pour ta direction. L'esprit de grâce et des faveurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu règnes encore, tu es là. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton nom. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. Nous sommes là pour louer le roi des gloires, célébrer le roi tout-puissant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alléluia. Rendons grâce. Alléluia. À celui qui nous donne la vie. Nous le bénissons, nous le glorifions. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie de Dieu Zoé. Alléluia. Voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci de bénir ce moment. Seigneur merci. Sois loué, sois glorifié Seigneur. Sois béni, béni dans le Seigneur. Et Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce.
te bénissons, Seigneur. Nous rendons toute la gloire. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sokina Natali bisika na uti na bisika na zokende eti tingai na aye bisayo o sakafayo o sumina na eti tingai. Exprimons toute notre reconnaissance. Te rendons toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci. Bénissons ton Saint. Alléluia. Merci Seigneur. Les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux d'amour, les dieux de bonté. S'il est que nous sommes en train de célébrer ce soir, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, merci, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Est-ce que c'est le même esprit pour le Seigneur? Les dieux de l'impossible, nous te bénissons en ton Seigneur. Nous te bénissons et te glorifions, éternel Dieu de puissance. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi des univers. Bénissons ta présence. Alléluia. Souviens-toi de là où Dieu t'a tiré, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, nous venons de trop loin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Ce soir, nous voulons encore passer le temps, bien-aimé, de célébrer le roi des rois. N'oublie pas d'où tu viens avec le Seigneur, bien-aimé. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. C'est petit moment, bien-aimé, de l'adorer, n'est-ce pas? Adorons-le, bien-aimé, dans le Seigneur. Adorons le roi des rois. Servons le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur. Te disons merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, pour son amour infini. Élevons nos voix, bien-aimés, rendons grâce au Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te bénissons, éternel et Dieu tout-puissant, Seigneur.
Nous venons d'être trop loin avec toi, Seigneur. Tu nous as tirés d'être trop loin. Nous ne voulons pas rester insensibles à tout ce que toi, tu as déjà fait pour nous. Nous voulons te dire merci encore ce soir. Merci pour ta victoire dans nos vies. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Nous élevons nos voix vers toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence bien dans le Seigneur à adorer. Commence à le louer, dis-lui, Seigneur, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Toi, le roi éternel, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur ton trône de gloire, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Merci pour la vie qu'on a puissant de Jésus. Mon âme te bénit, toi le roi éternel. Mon âme te bénit, toi qui es assis sur le trône de gloire. Mon âme te bénit, toi qui vis et qui règne à jamais. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Je t'élève à la plus haute place. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton plan merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Dieu Tout-Puissant, merci. Que tu t'élèves dans nos vies ce soir au milieu de nous. Mon âme te lève. Mon âme te loue, éternel, notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Tu es le Dieu de l'impossible. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui que j'élève. C'est lui que j'adore. C'est lui que je loue, Seigneur. Je n'ai point d'autre Dieu que toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui me soutiens dans les moments difficiles. C'est sur toi que je m'appuie, Seigneur, jour et nuit. Mes yeux sont fixés sur toi, Maître du ciel et de la terre. Tu restes mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui sur qui je peux m'appuyer jour et nuit. Je m'appuie sur toi, Seigneur de gloire. Je m'appuie sur toi, Maître du ciel et de la terre. Tu es le secours qui marche jamais dans la détresse. C'est toi que je ne cesse d'adorer. C'est vers toi que je suis notre Dieu. Je me tourne vers toi, nuit et jour, Seigneur. Que tu t'élèves, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, mon âme te loue. Oh, mon âme te glorifie. Saint-Esprit, laisse que ce soir encore mon être tout entier se tourne vers toi. Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Conduis-moi sur le chemin de la sainteté. Merci, toi, l'Esprit de victoire. Saint-Esprit, merci. Laisse de nous conduire. De nous diriger. Merci, Saint-Esprit. Nous avons soif et faim de toi tous les jours de notre vie. Que la vie de Dieu Saint-Esprit nous remplisse. Que la vie de Dieu Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci pour la vie de Dieu. Merci pour la vie de Dieu. Saint-Esprit, merci, merci pour la vie de Dieu. Merci Saint-Esprit pour la vie de Dieu. Saint-Esprit, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration. Nous avons soif et faim de toi. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, toi, l'esprit de grâce et de faveur. Merci Saint-Esprit pour la vie. Merci Saint-Esprit pour ta direction. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit, merci, 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 cher Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta vie. Remplis nos vies de ta vie, cher Saint-Esprit. Remplis nos vies de ta vie, cher Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi qui es notre protecteur. Saint-Esprit, merci de nous conduire, de nous diriger dans toute la vérité.
Saint-Esprit, merci. Merci pour ta protection, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci. Viens à notre secours, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie par l'esprit de victoire. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tous les jours de ma vie, j'ai besoin de toi. Au nom de ma vie, remplis ma vie. Conduis-moi, Saint-Esprit, sur le chemin de la vérité. Conduis-moi, Saint-Esprit, sur le chemin de la sainteté. Conduis-moi, Saint-Esprit, sur le chemin de la grâce et de la faveur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. 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 Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Viens encore nous ce moment de prière. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction dans ce moment de prière. Saint-Esprit, viens nous soutenir. Viens nous fortifier, cher Saint-Esprit. Viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Il nous a renouvelé, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, toi l'esprit de victoire, toi l'esprit de louange, d'adoration. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te glorifions, au puissant de Jésus. Alléluia. Oh, yeah. Alléluia. Sungi nanda. Saint-Esprit, c'est toi, n'est-ce pas, mon protecteur? C'est toi qui me conduis sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté. Alléluia. Pour que je puisse voir la gloire que tu as réservée pour le saint. Alléluia. Que tu as réservée, n'est-ce pas, pour le racheter. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, bénédiction, le Seigneur, bénissons le Saint-Esprit. Nous louons et nous adorons le Seigneur de gloire qui nous accorde encore l'opportunité, bénédiction, le Seigneur, de prier ce soir comme vous voyez les titres, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit engloutisse le pouvoir des objets utilisés par la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose, c'est que la magie, la sorcellerie, l'occultisme, bien-aimés, utilise parfois certains outils. Hein, certains outils destinés, bien-aimés dans le Seigneur, à diriger, à canaliser, bien-aimés dans le Seigneur, l'énergie magique vers un objet particulier. Voilà, bien-aimés. Donc, ils peuvent utiliser, bien-aimés, l'énergie magique vers un objet particulier. Vous allez me poser la question, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe là? Oui, nous voyons ça dans la parole de Dieu. C'est pas étonnant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons,
J'aimerais vous dire, n'est-ce pas, le monde spirituel, n'est-ce pas, bien-aimé, il n'y a que deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et les deux royaumes s'affrontent jour et nuit, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis bien, les deux royaumes s'affrontent. Et le royaume des ténèbres veut toujours s'opposer au royaume des lumières. La lumière veut toujours s'opposer à la... les ténèbres veulent toujours s'opposer à la lumière. C'est clair. Mais une chose, c'est que les ténèbres ne peuvent jamais résister devant la lumière. La lumière chasse toujours les ténèbres. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons demeurer dans la lumière. C'est pourquoi on nous appelle les enfants des lumières. Tu dois toujours demeurer dans la lumière. Ça veut dire, tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois demeurer en Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Tu dois être un enfant du royaume des lumières. C'est pourquoi Jésus s'est donné à la croix pour nous arracher des ténèbres et nous transporter dans son royaume des lumières, dans le royaume du Fils de son amour. Et le monde occulte, bien de la science, agit par la puissance de la sorcellerie et de l'occultisme. C'est pourquoi on appelle le monde des ténèbres. L'occultisme, Satan, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui le père de l'occultisme, le père de la magie, le père de la sorcellerie. C'est Satan le diable. Et cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Il a utilisé le pouvoir de la séduction, passant par les serpents, bien aimé dans le Seigneur, pour séduire Adam et Ève, bien aimé, les faire sortir du programme de Dieu, les opposer à Dieu, les amener à désobéir à la volonté de Dieu. Et Satan utilise la même tactique jusqu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. C'est s'opposer à tout ce qui est Dieu. S'opposer à tout ce que Dieu, bien aimé, a établi comme ordre dans la nature ou tout comme, n'est-ce pas, dans le monde, dans quelque lieu que ce soit. Il veut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ma volonté, ma nourriture est de toujours faire la volonté de mon Père. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Étant en tant qu'enfant, nous devons savoir, nous avons été enrôlés dans une armée, l'armée de Dieu. Et dans cette armée, nous devons, bien aimé, nous préparer, bien aimé, à combattre la puissance des ténèbres, les puissances de l'occupation qui s'opposent toujours à la volonté de Dieu. Pendant que nous prions, eux aussi se réunissent, ils font leur sabbat. Ils volent, bien aimé, dans le Seigneur. Ils se transforment, ils font des projections astrales pour aller dans des lieux précis, bien aimé dans le Seigneur, dans les buts, n'est-ce pas, de maudire les familles, de maudire les nations, de maudire les vies, de maudire les tribus, de maudire les quartiers, pour imposer les ténèbres, pour imposer la souffrance, pour imposer le malheur, pour, n'est-ce pas, imposer la servitude, soumettre les gens, bien aimé dans le Seigneur, les hommes, à sa guise, de manière à les amener à la mort. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est un voleur. C'est un destructeur et c'est un tueur. S'il n'arrive pas à te tuer comme c'était le cas de Job, il va te détruire, va détruire tes biens. Il va détruire tout ce qui est à toi. Ça, c'est l'ennemi, bien-aimé. Et nous devons savoir, sans pour autant perdre de vue. La Bible nous dit clairement, bien-aimé, que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est 1 Jean 5:19. Bien-aimé, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin, ne perdons pas de vue. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. La Bible dit, n'est-ce pas, de nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont d'en bas. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le monde ici est sous la puissance du malin. Quand on dit sous la puissance du malin, c'est sous la puissance du malin. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pourquoi lorsque Dieu va envoyer Pharaon, et va envoyer Moïse vers Pharaon, excusez-moi, Dieu dit à Moïse, tu vas aller vers Pharaon. Va vers Pharaon, dans Exode 7, le verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. La verge, c'était qu'un bâton, bien-aimé. Le bâton est devenu serpent. Le bâton n'est rien. Mais sauf que c'est la puissance de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur qui a été canalisée sur ces bâtons. Ces bâtons se transforment en serpent. De la même manière, bien-aimé, dans le Seigneur,
Satan aussi peut canaliser sa puissance magique. Regardez bien. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs. Les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements, par leur sorcellerie. Bien aimé, ils en firent autant. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Voilà la différence. J'ai dit ce soir, mesdames et messieurs, que le Saint-Esprit engloutisse le pouvoir des objets utilisés par la sorcellerie. Les objets magiques. Que ce soit les chaînettes, les amulettes, certains pots, bien aimés dans le Seigneur, dans lesquels les gens font leur rituel pour envoûter, ou dans lesquels les gens, bien aimés, entrent pour voler dans le monde occulte, afin, n'est-ce pas, d'être ensorcelés, bien aimés. Que ces objets magiques, que ces outils utilisés par la. Que le Saint-Esprit les consume, que le Saint-Esprit les engloutisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la différence, bien aimés dans le Seigneur. Oui. Satan peut aussi faire des choses. Vous allez dire, ouais, c'est pas possible. Oui, Satan peut faire, bien aimé dans le Seigneur. Regardez bien. Ils en firent autant. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et aussi en firent autant par leurs enchantements. Même chose. Bien aimé dans le Seigneur. À la seule différence, c'est que le serpent de Moïse a avalé, bien aimé dans le Seigneur, les serpents des magiciens de Pharaon. Pour dire, bien aimé dans le Seigneur, ils sont venus avec leur autorité, ils sont venus avec leur pouvoir, mais ils sont sortis, bien aimé, de leur roi sans pouvoir. On les a dépouillés de leur pouvoir. Notre prière ce soir, que ceux qui utilisent les objets magiques, les objets de la sorcellerie pour nous envoûter autres, qu'ils soient neutralisés, paralysés dans leur pouvoir, qu'ils soient dépouillés de leur pouvoir pour utiliser ces objets repoussés. Que ces objets, bien aimé, Seigneur, soient complètement neutralisés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Je vous assure, bien-aimés, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Dieu, c'est un Dieu puissant, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce monde actuellement, bien-aimés, est en train, n'est-ce pas, d'utiliser les puissants de l'occultisme et de la magie, bien-aimés, pour séduire même certains chrétiens. Ils se laissent, bien-aimés, séduire. Par la puissance de l'occultisme, la puissance de la magie, la puissance de la sorcellerie. Il y en a même des faux apôtres qui viennent avec ça au niveau de l'église. Et nous nous laissons séduire. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit venu de le Seigneur. Que le Saint-Esprit neutralise toutes ces puissances au repoussant de Jésus. C'est ça pourquoi nous devons prier, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons prier. Ne pas laisser certaines personnes utiliser certaines amulettes, utiliser, bien aimé dans le Seigneur, certaines chaînettes magiques, certains mouchoirs magiques, certains portefeuilles magiques, bien aimé, pour envoûter, tu as de l'argent, n'est-ce pas? Il prend l'argent dans ton portefeuille. Tu en perds. Parce que déjà, bien aimé, ils ont le pouvoir magique, n'est-ce pas, bien aimé, de piquer l'argent dans les portefeuilles des gens. Bien aimé, c'est vrai. C'est réel. Ça se fait. Donc, tu dois, bien aimé, être protégé par la vie de là-bas, par la puissance du Saint-Esprit, par la vie de la prière. C'est important, bien aimé, dans le Seigneur. C'est important de préserver ton ménage. Vous savez bien, c'est des choses qu'on doit dire clairement. Avec Harry Potter, bien aimé, il utilise, n'est-ce pas, bien aimé, un balai pour voler dans le monde pandémonium. Il utilise, bien aimé, le balai. On croit que c'était une histoire d'Afrique. Non, Harry Potter. C'est pas de la fiction, mais dans le ciel. Ils savent ce qu'ils font. Ils font des projections astrales de cette manière-là. Et bien, nous devons prier, bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui utilisent leur balai pour aller dans leur sabbat, n'est-ce pas, des sorciers, bien aimé, que ces balais reçoivent le feu du Saint-Esprit. Comme les magiciens, bien aimé, de Pharaon qui s'opposent à la volonté de Dieu. Le temps est arrivé, bien aimé, où le chrétien, le vrai chrétien, les chrétiens authentiques, remplis du Saint-Esprit, doivent dans leur prière, bien aimé, neutraliser la puissance de l'occultisme et de la magie. Nous devons prier, bien aimé, dans le Seigneur. Neutraliser toutes ces puissances au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, dans le Seigneur. Oui, les serpents de Moïse. Donc, ils sont sortis de la présence de Pharaon sans autorité magique. Sans leur pouvoir occulte. Parce que là, ils n'ont pas. Moïse, lui, il a repris son bâton. Après avoir englouti, bien aimé, les serpents, n'est-ce pas?
de Jabès et de Jambrès, Moïse est sorti avec son bâton là. Mais ils sont sortis sans bâton, sans autorité, sans pouvoir. On les a dépouillés de leur pouvoir magique. Dépouillés, bénédicte le Seigneur. Nous devons prier pour que ceux qui sont dans le culte de la sorcellerie, ils se targuent à la poitrine comme s'ils avaient aussi un certain pouvoir. Nous devons prier pour qu'ils soient dépouillés, bénédicte le Seigneur. Dépouillés de leur pouvoir magique, dépouillés de leur pouvoir occulte, dépouillés de leur pouvoir dans lequel, n'est-ce pas, ils mettent leur confiance. Ils sont sortis, bien aimés, même réduits de la présence de leur roi. C'est ça notre prière, bien aimés dans le Seigneur, et c'est ça notre vœu le plus ardent. C'est que tous ceux qui pratiquent l'occultisme et qui se rendent compte que la puissance de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est invincible. Je pense que nous sommes dans ce temps ici. Chrétiens, ne dormons pas, prions! Persévérons dans la prière, ne nous fatiguons pas, lèvons-nous dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, se manifeste dans ce monde pervers et corrompu. Ce monde corrompu par l'occultisme, par la magie, bien aimé dans le Seigneur, par la séduction, la sorcellerie et autres. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit peut faire la différence. La puissance du Saint-Esprit peut faire la différence. Que nos familles ne soient pas, bien aimées, brisées. Parce que certaines personnes vont chercher certaines baguettes magiques, certains anneaux. Bah, attendez, vous connaissez, n'est-ce pas, les seigneurs des anneaux, n'est-ce pas? Les seigneurs des anneaux, n'est-ce pas? Ces puissants anneaux maléfiques, bien aimés dans le Seigneur, doués d'une volonté propre, qui peut notamment, n'est-ce pas, bien aimés, rendre invisible la personne qui les porte. Le Seigneur des anneaux. Regardez bien ce film, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui porte cet anneau peut être rendu invisible. Mais comment toi, tu as le Saint-Esprit, tu peux être visible là où les gens font des histoires. Mais il faut que Dieu te rende invisible au pouvoir de la sorcellerie. Que Dieu te rende invisible, bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui pratiquent, qu'il te rende invisible aux yeux des sorciers, aux yeux des occultistes, aux yeux des magiciens. Que Dieu te rende invisible parce que tu n'as pas l'anneau. Tu as l'onction du Saint-Esprit. Tu n'as pas un petit anneau, non, non, non. Toi, tu es là-dedans. Tu baignes, n'est-ce pas, dans le pont là où il y a le Saint-Esprit. Tu baignes là-dedans. Tu baignes dans le fleuve. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, quand les sorciers viennent, ils ne voient rien. Je me rappelle, témoin, n'est-ce pas, de quelqu'un qui était dans l'occultisme autrefois. Il dit, il devait aller, bien-aimé, n'est-ce pas, pour aller envoûter quelqu'un. La nuit, ils arrivent, bien-aimé, ils connaissaient la parcelle. Ils arrivent, là, nous, ils trouvent, n'est-ce pas, il y avait un fleuve. C'est impossible. Là, ils étaient, n'est-ce pas, bien aimé, dans leur projection astrale. Ils regardent, nous connaissons les lieux. On est venu là. Bien aimé, ils reviennent la journée, ils reviennent, ils trouvent la maison, et là, ils disent, c'est pas possible. Mais la nuit, on est venu. Bien aimé, ils reviennent encore le lendemain. Ils trouvent, n'est-ce pas, bien aimé, il y avait une rivière. Rien du tout. Oh, bien aimé, dans le Seigneur. Est-ce que nous avons le même Saint-Esprit que ces gens-là? Bien aimé, dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit te rende invisible aux yeux occultistes des magiciens, de ceux qui veulent te faire, ceux qui préparent à te faire du mal, qui te rendent invisible aux escrocs, même dans la vie de tous les jours comme ça. Quelqu'un vient pour t'escroquer, mais il se rend compte que non, 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 tu es inescrocable, inescrocable. J'invente les mots. Hein. Qu'on ne peut pas te séduire à cause de l'onction du Saint-Esprit. Mais l'onction fait la différence. L'onction à cause de l'onction du Saint-Esprit. Tu es tellement rempli d'onction qu'on ne peut pas te séduire, qu'on ne peut pas, bien aimé, qu'on ne peut pas te rouler. Les mariages se brisent aujourd'hui, bien, parce que les gens vont, n'est-ce pas, utiliser des baguettes magiques, des mouchoirs. Ils brisent les couples. Les couples sont brisés aujourd'hui, bien, par des séducteurs de tous bords. Qui viennent séduire les femmes d'autrui, qui viennent séduire les hommes d'autrui, bien aimé, le Seigneur. Les Jézabel viennent séduire les hommes. Parce qu'elle utilise, n'est-ce pas, un parfum magique, un mouchoir magique, ou un habit, bien dans le Seigneur, n'est-ce pas, doté d'un certain pouvoir pour séduire, pour envoûter. L'homme qui était bien avec sa femme, il devient troublé. L'homme devient comme un fond, commence à tirer, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, comme une brebis à l'abattoir. Les gens se disent, mais c'est pas, cet homme n'a jamais été comme ça, il a toujours été fidèle envers sa femme. C'est un homme bien, ils étaient vraiment avec sa femme côte à côte, mais tout d'un coup, c'est pas possible. Mais il paraît qu'il commence à sortir avec elle, on ne comprend rien. Mais parfois, ça peut être quelqu'un qui a été envoûté.
Et pendant ce temps-là, toi, tu attends, ouais, ma chérie est bien, ouais, les histoires de pouvoir, les histoires de prière, on a prié, on a veillé, hein. Ah oui, ben, je prierai, chérie, hein, on va dormir, chérie, oui, 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 oui. Continue, n'est-ce pas? Continue, continue, continue. Tu comprendras si tu ne veux pas te rendre invisible ou rendre, n'est-ce pas, ta famille invisible aux yeux de l'ennemi, bien aimé Seigneur. À un moment, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ce monde, bien aimé, regorge beaucoup de réalités. Les magiciens des pharaons, ils en firent autant. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu, tu es marié, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie va s'opposer à ton mariage. C'était ça le but, bien aimé, n'est-ce pas, des sorciers, n'est-ce pas, des pharaons, s'opposer à la volonté de Dieu. Regardez ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans 2 Timothée 3:8. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, les magiciens, bien aimés, des pharaons. Ils se sont opposés, bien aimés. Ces gens-là, les occultistes, les magiciens, les sorciers, les enchanteurs ou autres, veulent toujours s'opposer à la volonté de Dieu. Là où il y a un mariage, bien aimé, ils veulent briser le mariage. Là où il y a les enfants, ils veulent s'opposer aux autres, détruire les enfants, mais les détourner, les amener dans le monde, dans la drogue, dans la prostitution, mais dans les autres, dans les mensonges, dans les vols. Mais pourquoi Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi ce don, bien aimé, nous a été doté dès lors que nous acceptons Jésus comme étant un don? Dit voilà, désormais, n'est-ce pas, tu ne vivras pas comme quelqu'un, on dit, n'est-ce pas, Moutou Polélé. Donc, tête vide, il n'y a rien. Non, 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 non. Cette fois-ci, maintenant, il y aura, n'est-ce pas, une protection sur toi. Tu auras une puissance qui te protégera. Tu auras une puissance qui t'aidera, n'est-ce pas, à affronter les attaques du monde occulte. Nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Non, bien dans le ciel, nous sommes dans la guerre. Tu es chrétien, tu es dans la guerre, consciemment et inconsciemment, tu es engagé dans une guerre. Parce que, bien aimé, le puissant de l'occulte, le monde occulte va toujours s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient, que tu y crois, que tu ne croies pas, ils vont s'opposer. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même que ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvant ce qui concerne, n'est-ce pas, qui concerne la foi. Tu peux être conscient ou pas, bien-aimé dans le ciel, c'est la réalité. Tu as la verge, l'autorité du Saint-Esprit, tu as l'onction. Regarde le verset 15 dans Exode 7. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. La verge, l'autorité. Ça a été changé parce que l'onction, n'est-ce pas, venait dans le Seigneur. Alléluia, fait la différence. Alléluia. Tu prendras cette même verge qui était devenue serpent et qui est revenue encore. Bâton. Cette verge a l'autorité, bien aimé. Nous avons l'autorité du Saint-Esprit. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi nous a-t-il donné l'autorité? Pour que les malins viennent dans le Seigneur, dont nous connaissons les visées du malin. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, je suis venu à... afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Et voilà, il dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi. Quelqu'un qui vient avec son portefeuille magique pour te piquer l'argent. Non, il t'ouvre, n'est-ce pas, bien-aimé? Ton argent est sécurisé et son petit portefeuille brûle au nom puissant de Jésus. Il retourne, il dit, je voulais faire mes aventures pour voler dans les pauvres de quelqu'un, mais là, je me rends compte, mon portefeuille brûlé, il rentre dans le monde occulte, ton portefeuille, oh non, non, il a été brûlé. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai essayé dans quelqu'un, mais il y a eu un feu, n'est-ce pas, qui a pris tout simplement mon portefeuille, je n'ai pas compris. Et même, ils savent, tu as essayé chez des gens à qui, auprès de qui il ne faut pas essayer. Bon, là, on ne veut pas citer le nom de Jésus, bon, c'est pas grave. On va te donner notre portefeuille. Tu vas faire les aventures ailleurs, pas chez ces gens-là. On ne nous cite pas. Les gens de Jésus, on ne les cite pas. Même ton nom, il devient comme un feu. Pas ces gens-là, il faut faire attention. Ces gens-là sont dangereux. Mais tu dois être un dangereux pour Satan, le diable. Tu dois être un véritable et dangereux. Tu dois être une véritable et dangereuse. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur.
Nous devons prier, n'est-ce pas, pour briser tous ces objets, n'est-ce pas, que l'ennemi utilise. Pour envoûter les gens. Pour briser, mais pour détruire les vies déjà, pour détruire les couples. Les parfums magiques, les robes magiques pour envoûter les gens, mesdames et messieurs, le Seigneur, les mouchoirs magiques. Ah ouais, ça marche, ces histoires-là, ça marche. Hein? Mais, on a été dans les écoles, là on s'est fait envoûter, mesdames et messieurs. Les magiciens venaient, ce n'était pas des tours de passe. Non, ça n'avait rien. C'était la réalité, le pigeon sort, vous les voyez, les pigeons. Avant que nous ayons fermé les yeux. Non, les pigeons sortent de la bouche. Les gilets sortent de la bouche. Parfois même les bonbons. Quelqu'un vient là-bas, il donne à quelqu'un, voilà, dans un coin, il dit, voilà, prends là-bas, tu prends une urne. Prends l'urne, bienvenue dans le Seigneur, dans le coin. Et puis il fait ses histoires, pas bonbons. Et on commence à manger les bonbons, tu sais pas. On s'est fait envoûter, bienvenue dans l'école primaire, là où moi j'ai étudié. Les magiciens venaient parfois deux, même ici en Europe, les magiciens passent, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, une ou deux fois par an. Surtout dans les écoles catholiques, surtout. Je me pose, pourquoi les catholiques aiment ces jeux comme ça? Je ne veux pas accuser, mais c'est bizarre quand même. Dans les écoles catholiques, surtout. Mais j'étais dans les écoles catholiques, mais c'est pas possible comment les magiciens passent chaque fois, bien aimé, pour faire leur tour, envoûter les gens, envoûter les vies, bien aimé, dans le Seigneur. Et je connais des gens qui sont morts dans ces histoires-là. Jeunes, tout jeunes. J'ai perdu un ami bien-aimé dans le Seigneur, tout jeune. Voilà, bien-aimé, pourquoi ne soyons pas distraits. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Ne laissons pas Satan dans sa ruse, bien-aimé dans le Seigneur. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'ignorons pas ces desseins. Nous devons nous lever, bien aimé dans le Seigneur, contre la puissance, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, des objets utilisés par la sorcellerie, des objets, bien aimé, avec un certain pouvoir magique. Bien aimé, consumez ces objets. Des pots magiques dans lesquels, bien aimé, les gens, n'est-ce pas, font des incantations pour s'envoler dans les mondes pandémonium, bien aimé dans le Seigneur. Des pots magiques, des objets magiques, bien aimé, des habits magiques, des bâtons magiques, des amulettes, bien aimé, des chaînettes magiques, des anneaux magiques. Des gommettes magiques, bien aimé, dans le Seigneur. Des portefeuilles magiques, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons prier, bien aimé, que le feu de Dieu consume ces objets-là. Nous ne voulons pas être victimes de ces objets-là. Nous ne voulons pas être victimes. Est-ce que vous imaginez que les serpents qui étaient transformés pouvaient, n'est-ce pas, mordre Moïse et Aaron? Hein? Si les serpents, n'est-ce pas, venaient dans le Seigneur, que Moïse a utilisé, les serpents de Moïse pouvaient avaler les serpents. Donc, leurs serpents aussi, bien-aimés, pouvaient mordre Moïse et Aaron. Donc, leur puissance, la venaient dans le Seigneur, peuvent d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, avoir de l'impact, des conséquences sur ta vie et sur ta famille. Voilà pourquoi tu vas prier, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, ce soir. Dans la prière, regardez un peu, bien-aimé, dans le Seigneur. Exode 17, le verset 9. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat, Malek. Demain, je me tiendrai sous le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. La verge de Dieu, la verge, bien aimé dans le Seigneur, la verge de Dieu. Le combat se passe, bien aimé dans le Seigneur, dans la vallée. Mais lui, la verge, bien aimé dans le Seigneur. Et on est en train, bien aimé dans le Seigneur, de soutenir ses mains vers le Seigneur. C'est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Combien n'utilisent pas aussi leur verge, bien aimé dans le Seigneur? Leur pouvoir magique, leur pouvoir occulte, leur pouvoir de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Dans les différentes réalités de la vie courante. La guerre était réelle. Mais Aaron, bien aimé, Moïse, avait la verge de Dieu dans sa main. La guerre était réelle. La bataille était réelle, mais il avait la verge dans sa main. Combien n'utilisent pas, bien aimé, dans le ciel, leurs objets magiques pour avoir l'ascendance dans certains événements de la vie courante. Il y en a qui viennent, bien aimé, te faire signer certains contrats
avec le poids de la séduction, vient chez toi et dit, voilà, signe ici. Tu signes. C'est là qu'on me dit, oh, mais ce n'est pas à mon avantage, ce contrat, ce n'est pas possible. Mais comment est-ce que j'ai signé? Bien, ils viennent avec le poids de la séduction. Une fois, quelqu'un était venu chez moi, signer les documents, puis il est parti le lendemain, je l'appelle, je dis, mais ce qu'on a signé là, il y avait, c'est pas ce que moi je voulais, j'avais négocié autrement avec vous. Oh non, non, c'est comme ça, si vous voulez que je me perde ça, je dis, non. Mais voilà, il revenait chez moi. Oh, mais ça, vous êtes difficile. Oui, je suis difficile. Ce n'est pas comme ça que j'ai négocié avec vous. Autrefois, j'ai revu la négociation. Revenons voir la dernière négociation que j'ai faite avec l'un de vous, de vos agents. Oui, bon, monsieur, on va revenir. J'ai les documents avec moi. Revenez. Alors, attendez, monsieur, vous voulez quoi? Il est venu, hein? Bien-aimé, j'ai compris, bien-aimé, comment on se laisse séduire. Ces gens, ils ont des pouvoirs magiques pour séduire. Pour te faire accepter, bien-aimé, l'inacceptable parfois. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. On a du temps, n'est-ce pas? C'est la veille aujourd'hui, c'est jusqu'à 2h du matin. Nous allons élever nos voix, bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas? Nos prières ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Nous allons d'abord, bien-aimé, dans le Seigneur, invoquer le feu. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que ton feu, aujourd'hui, bien-aimé, c'est le feu est allumé. Le feu est allumé. Alléluia. Alléluia. Le feu est allumé. Faut allumer le feu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Que le feu descende, bien-aimé, parmi nous, n'est-ce pas? Nous voulons, n'est-ce pas, que le feu de Dieu descende au milieu de nous. Seigneur, que ton feu descende au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton feu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton feu descende au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce chant veut tout simplement, Seigneur, que ton feu descende au milieu de nous. Alléluia. Pour consumer les œuvres des ténèbres de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous invoquons ton feu, Seigneur. Alléluia. Que Dieu étende sa main, bien-aimé, dans le Seigneur, dans nos vies et dans nos familles. Alléluia. Il a commencé à faire des choses depuis, bien-aimé, dans le Seigneur. Depuis, n'est-ce pas, Abraham jusqu'à Moïse. Que Dieu s'élève, bien-aimé, il y a un temps pour tout. Nous ne voulons pas être victimes de ces puissances occultes. Nous voulons, bien-aimé, commencer une nouvelle ère avec le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu lève sa main, n'est-ce pas? Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Que le feu de l'éternel consume les œuvres des ténèbres. C'est ce que ce chant est en train de dire. Que le feu de Dieu descende et consume les œuvres des ténèbres. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Moto, qui s'en moto, yaya. Jésus qui s'en mis à la, y'a Satan à la boca.
moto, qui sa moto, ya ya, si qui sa misala, ya satana na poka. Si pour la loupe, koto pona e loka, koka pola poka na koko na yesu. Eloka, 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 eloka. Seigneur, que ton feu descende, que ton feu descende pour consumer les œuvres des ténèbres. Alléluia. 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 Le Seigneur, allez les faire au point, n'est-ce pas? Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur notre Dieu, nous allons bien invoquer le feu. Que le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, consume à nous, bien aimé, ce qui n'est pas de Dieu. Consume à nous, bien aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, les sûrs du diable. Consume à nous, bien aimé, dans le sûr de la mondanité. Nous allons proclamer trois fois le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu consume ce qui n'est pas de Dieu. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, bien aimé. Que le feu de Dieu consume les sûrs de Satan, le diable. Et les volons, bien aimé, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton feu. Le feu de volant. Pour consumer, c'est notre Dieu, alléluia, la puissance de la mondanité dans nos vies. Pour consumer, c'est notre Dieu, la puissance du péché. Pour consumer, c'est notre Dieu, les œuvres de l'occultisme, de la sorcellerie dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Pour consumer, c'est notre Dieu, les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Dans nos familles, parfois, des objets qui ont été utilisés pour protéger la famille. Par exemple, ici, bien-aimé, ici en Europe, vous allez voir certaines maisons, vous allez devant certaines portes, il y a ce qu'on appelle le fer à cheval. Comme un métal, hein, comme ça, là. Un métal. On appelle ça fer à cheval. N'est-ce pas? On met ça, bien-aimé, entre les mains, en disant, pour protéger la maison des mauvais esprits. Bien-aimé. Ces outils-là, bénis dans le Seigneur, ces objets, n'est-ce pas, ouvrent la porte à la malédiction sur des maisons, sur des familles. D'autres personnes utilisent certaines pierres. Oh, c'est pour la protection. Ils utilisent ceci ou cela, mais c'est pour la protection dans la famille. Contre toute personne qui, nous allons dire, Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur certains objets de la société. Les objets occultes ont été utilisés dans nos maisons ou sont même utilisés maintenant dans nos familles. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Alléluia.
Lève-la, béni dans le ciel. Commence à implorer la grâce. Que demande, Seigneur, que Dieu pardonne, n'est-ce pas? Que Dieu, le Dieu de pardon, mais pardonne, Seigneur. Ce sont des interdits, bien dans le Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Que Dieu pardonne, éternel, notre Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous te demandons pardon, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, maître du ciel et de la terre. Notre Seigneur, notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci. Nous demandons pardon, Seigneur, ta miséricorde et ton pardon à cause de certains objets qui sont utilisés dans nos familles, par les membres de nos familles, tendre Père, consciemment ou inconsciemment, ou au milieu de nous, nous avons certains objets, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui sont des objets utilisés dans le monde occulte, Seigneur notre Dieu, sans le savoir, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Ouvre-nous les yeux spirituels, éternel, notre Dieu. Ouvre-nous les yeux spirituels, grand roi d'élever, pour que nous puissions ôter ces objets de nos maisons. Le Seigneur, nous puissions jeter ces objets loin de nous. Mais maintenant, nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha pour neutraliser le poids de ces objets dans nos vies, dans nos maisons, nos puissants de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire, Seigneur, alléluia, que toute malédiction qui pèse sur nos maisons, encore des objets interdits, les objets de la sorcellerie, les objets de l'occultisme, les objets, il y a un pouvoir, un certain pouvoir. Regardez bien. Quelqu'un donnait un témoignage bien dans le Seigneur. Il avait utilisé un grand livre, le Grand Albert. C'est un livre bien aimé contenant, n'est-ce pas, des sortilèges, des prières magiques. Sa tante lui a amené, c'est un blanc. Sa tante lui a amené, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, tout un mal, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, de. C'est pas une mal ou un mal des objets. Pour dire non, garde ça chez toi, je vais venir prendre ça après. Il est allé mettre ça, bien-aimé, dans le Seigneur au grenier. Il a constaté, depuis qu'il avait amené cela, bien-aimé, il l'a vu, il y a beaucoup de rats dans sa maison. Ingérable, le rat partout. C'est un fervent catholique, il est allé voir le prêtre. Le prêtre est venu, il a mis de l'eau bénite, rien du tout. Il est, bien-aimé, rien du tout. Un jour, il a amené notre prêtre, un exorciste, là, il vient, il dit. Je sens l'odeur de quelque chose ici qui n'est pas bien. Il dit non, non. Il dit non, non, il y a ma tante qui avait amené une mallette, c'est pas une valise comme ça, qui est, oh non, non, au grenier, il amène ça. Ils ont ouvert, ils ont trouvé ces livres-là, bien aimé, les grands talibis, non, c'est ça qui amène, n'est-ce pas, les rats. Bien aimé, le prêtre a pris, il est parti avec, bien aimé, les rats ont cessé dans la maison. Les rats ont cessé dans la maison, les rats ont disparu. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est un objet occulte, bien-aimé dans le Seigneur, qui attire la présence des rats. Donc, des objets qui nous attirent la présence des malheurs dans nos vies. Tu vas dire, c'est notre Dieu, que toute malédiction qui pèse sur ma vie à cause de certains objets qui ont été, ou certains membres des familles qui touchent des objets maléfiques, qui ont, n'est-ce pas, bien-aimé, des chaînettes magiques, des parfums magiques, bien-aimé, qui détiennent, n'est-ce pas, des mouchoirs magiques, des bagues magiques, bien-aimé, nous allons prier pour nous brisons cette malédiction sur nos vies, sur nos familles, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclame trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus Christ. Pour briser le pouvoir éternel, notre Dieu. Pour briser la malédiction, c'est notre Dieu. La malédiction du Seigneur, notre Dieu. Aux objets occultes. Aux objets de la sorcellerie. Aux objets magiques. Tendre Père, que cette malédiction qui pesait sur nous, consciemment et inconsciemment, soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Dieu. Si nous avons eu à toucher éternel notre Dieu, à toucher certains objets magiques, à toucher ce notre Dieu, alléluia, certaines choses occultes, certaines de la sorcellerie, consciemment ou inconsciemment, et cela a ouvert la porte à la malédiction, que cette malédiction soit brisée, nous renonçons éternel notre Dieu, nous renonçons à ces alliances, par la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, par la puissance du sang de la nouvelle alliance, nous renonçons à ces alliances, au nom puissant de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la grâce, le sang de la faveur, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la victoire, le sang de la paix. Nous proclamons la victoire du sang qui crie mieux que celui d'Abel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Alléluia. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas maintenant invoquer le feu du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tout objet, bien-aimé dans le Seigneur.
de la sorcellerie, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Tu ouvres la voie, n'est-ce pas, au contact avec le monde de la sorcellerie. Dans ta maison, dans ta famille, bien aimé, tout objet appartenant au sorcier. Bien aimé dans le Seigneur. Que ce soit un livre, que ce soit un panne, que ce soit une photo, bien aimé, n'importe quoi. Tout objet appartenant qui te communique au monde de la sorcellerie, au monde de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Que cet objet, que le pouvoir de cet objet soit neutralisé. Que le feu de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, consume cet objet-là. C'est un panne, c'est une photo, bien-aimé, qui te met en contact avec le monde de la sorcellerie. Ça peut être une photo, ça peut être un panne, ça peut être un livre, ça peut être une chaînette, ça peut être un stylo, n'importe quel objet, bien-aimé, le Seigneur, qui te communique au monde de la sorcellerie, bien-aimé, le Seigneur. Que cet objet soit consumé par, que son pouvoir soit neutralisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de vos rangs. Le feu du Saint-Esprit pour consumer le pouvoir de tout objet. C'est notre occulte qui nous connecte au monde de la sorcellerie. Qui nous connecte au monde occulte. Qui nous connecte au monde des magiciens. Tendre Père, que ton feu consume le pouvoir de cet objet. Que ton feu neutralise le pouvoir de cet objet. Que cet objet soit consumé par le feu de vos rangs. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Jésus Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, que le feu de Dieu éternel, notre Dieu, que le feu de Dieu consume le pouvoir de tout objet qui nous représente dans le monde occulte, que tout objet qui nous met en communication avec le monde de la sorcellerie, tendre Père, que le pouvoir soit neutralisé, soit brisé, au nom de Jésus, que ça soit sur notre Dieu, un objet inanimé, que ça soit tendre Père, quelque autre objet, tendre Père, que ton feu consume, que ton feu neutralise, au nom puissant de Jésus Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Éternel notre Dieu, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, le grand roi. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas, particulièrement, n'est-ce pas, bien-aimé, que tout objet qui a été pris de ton corps. Alléluia. Tout objet, bien-aimé, que ce soit un morceau de ton pagne, un ton habit, je ne sais pas, tout objet qui t'appartient. Qui a été, bien aimé, subtilisé, bien aimé, malignement, et qui a été déposé, bien aimé, dans le Seigneur, dans le monde, sur un autel de la sorcellerie, bien aimé, dans le Seigneur. Que cet autel puisse être renversé, que cet autel puisse être consumé, bien aimé, que le pouvoir de cet objet, n'est-ce pas, soit neutralisé, anéanti, et même le pouvoir de cet autel-là. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, de trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, que tout objet sur notre Dieu nous appartenant, étant notre Dieu, ayant été déposé sur l'autel de la sorcellerie, soit neutralisé, soit brisé, au nom de Jésus. Nous brisons tout autel de la sorcellerie, tendre Père, contenant un objet qui nous appartient, que ces autels soient neutralisés, que ces autels soient brisés, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, Dieu de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu. Que tu t'élèves dans la vie de mon frère, que tu t'élèves dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Dieu grand et redoutable, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Merci éternel, notre Dieu, lève-toi, que ton feu éternel, notre Dieu, consume tout objet nous appartenant, qui a été déposé sur un autel maléfique, qui a été déposé sur l'autel de la sorcellerie. Tendre Père, que cet autel soit neutralisé, que cet autel soit brisé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. C'est notre Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vois maintenant, n'est-ce pas, bien-aimé, prie, n'est-ce pas, bien-aimé. Que le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, bien-aimé, localise, n'est-ce pas, tout objet, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, qui agit contre ta vie, contre ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, contre ta destinée dans le monde de la sorcellerie. C'est-à-dire, mais tout objet, bien-aimé, dans le Seigneur. Regardez un peu, bien-aimé. Les magiciens avaient chacun son bâton. C'est ça qui représentait, bien-aimé, leur pouvoir, leur autorité dans le monde de la sorcellerie. Moïse avait son bâton. C'est ça qui représentait, bien-aimé, le pouvoir de Dieu entre ses mains. Donc, tout objet, bien-aimé, qui te représente dans le monde, quelque part, dans le monde occulte. Tout objet qui te représente dans le monde de la sorcellerie, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le feu de Dieu neutralise cet objet, consume cet objet au nom puissant de Jésus. Localise cet objet et le neutralise. L'objet qui représente ta famille, qui représente ta destinée, qui représente ton ministère, qui représente bien tes enfants, qui représente ton mariage, qui représente bien tes finances, qui représente bien le Seigneur, je ne sais pas, tes biens matériels. Tout objet qui te représente, qui représente que c'est une partie de ta vie, bien-aimé, une partie de ta ou ta famille, bien-aimé, que tout objet
objet qui te reprend dans le monde de la sorcellerie, bien-aimé, que cet objet soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tout objet qui te représente. Nous allons proclamer trois fois le feu du Saint-Esprit. Que le tonnerre, tu vas invoquer, bien-aimé, le tonnerre du Saint-Esprit. Que le tonnerre, n'est-ce pas, localise, bien-aimé, dans le Seigneur. Le tonnerre localise cet objet, le lieu là où c'est tout. Que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le zèle, que ce soit sous la terre, que ce soit dans le cimetière, bien-aimé, que le tonnerre le localise. Alléluia. Et le neutralise au nom puissant de Jésus. Le paralyse, n'est-ce pas, que le pouvoir soit néanti complètement. Proclamons trois fois le tonnerre du Saint-Esprit. De trois, le tonnerre du Saint-Esprit. Le tonnerre du Saint-Esprit. Le tonnerre du Saint-Esprit. Dans notre Dieu, nous élevons nos voix avec toi, notre Dieu. Nous invoquons le tonnerre du Saint-Esprit pour localiser tout objet qui me représente ou représente en tant que Père, ma maison, ma famille, ma destinée, mon ministère, mon épouse, éternel notre Dieu, mon mariage, notre Dieu. Alléluia. Mes finances, tendre Père, ma destinée, que tout objet qui me représente en tant que Père dans le monde de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia, maintenant la terre, notre Dieu, soit néanti, que son pouvoir soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise ce pouvoir, je neutralise ce pouvoir au nom de Jésus. Que cet objet soit repéré dans les eaux, dans les airs, sous la terre, dans les cimetières. Que tout objet qui me représente, même sous la tombe, tendre Père, que tout objet qui me représente ou représentant mon épouse, représentant ma famille, représentant mon ministère, représentant ma vie, que tendre Père, que cet objet soit neutralisé, que le pouvoir soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu, consume et anéantisse le pouvoir de cet objet me représentant dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire du feu du Saint-Esprit, le feu de roi, tendre Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tout objet qui reprend les enfants de Dieu, tout objet qui reprend, tendre Père, l'Église, la Nouvelle Jérusalem, que cet objet soit neutralisé, tendre Père, dans le monde spirituel, dans le monde occulte, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous invoquons le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de vos rangs, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Ô éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prendre, n'est-ce pas, bien-aimé, tout cadenas, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Les cadenas étudiés dans le monde de la sorcellerie. Bien-aimé, je me rappelle une fois. À l'internet, nous voyons parfois des choses, bien-aimés dans le Seigneur. On est allé chez, je crois que c'est dans le monde musulman, je sais pas si c'est en Maroc ou Tunisie, entre Maroc, Tunisie ou Algérie. On était allé, bien-aimés, chez un marabout, bien-aimés dans le Seigneur. On a récupéré tous les objets qui étaient les marabouts, on a jeté, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Alors les gens ont filmé, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait des cadenas, bien-aimés. Les cadenas sur des poupées. C'est incroyable. Des cadenas. Un cadenas sur une poupée, bien-aimés, fermé. Je dis, Seigneur, mais c'est comme ça qu'on ferme, bien-aimés. C'est pas possible, c'est pas possible. Des fétiches, bien-aimés, des fétiches cadenas, poupées, et des tissus. C'était plein, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, ce qui avait attiré mon attention, c'est le cadenas. Il y avait beaucoup de cadenas. Cadenas, bien-aimés, bloquant les livres, cadenas bloquant certaines photos, sur certaines photos, cadenas fermés. Je dis, mais c'est comme ça, bien-aimés, qu'on bloque les vies des gens parfois, spirituellement parlant. Alors, tu vas prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu vas essayer d'entrer de tout cadenas, n'est-ce pas? Occulte. Ayant bloqué ma vie, bloqué ma famille, bloqué ma destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, que ces verrous, n'est-ce pas? Bien-aimés, ces verrous soient consumés au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les cadenas des sorciers, bien-aimés dans le Seigneur, utilisés contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille, contre ton ministère, que ces cadenas, bien-aimés, puissent être consumés par le feu du Saint-Esprit, que ces cadenas brûlent au nom puissant de Jésus. Les cadenas des sorciers, ce sont des objets, bien-aimés, qu'on utilise. Les cadenas des sorciers, nous avons invoqué trois fois le feu du Saint-Esprit, que les cadenas des sorciers, bien-aimés, qui ont été utilisés contre ta vie, contre tes enfants, contre ta destinée, contre ton ministère, que ces cadenas se soient révélés, reçoivent le feu du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Commence à construire les cadenas, bien-aimés. Les cadenas dans la sorcellerie. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de vos rangs pour consumer les cadenas de la sorcellerie. Tendre Père, ayant bloqué nos vies, ayant bloqué nos finances, ayant bloqué les ministères, ayant bloqué la progéniture, ayant bloqué les mariages. Que les cadenas reçoivent le feu. Bien-aimés, prie, invoque le feu, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le ciel, consume les cadenas, consume les cadenas. Tendre Père, nous invoquons le feu de Dieu. Que le feu consume les cadenas de sorciers.
utilisé tant de peur pour bloquer nos vies, utilisé pour bloquer les ministères, utilisé pour bloquer notre destinée. Que les cadenas reçoivent le feu ce soir. Tant de peur, nous invoquons le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Les cadenas, tendre père, les cadenas de la sorcellerie. Tendre père, que ces cadenas reçoivent le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons le feu éternel, notre Dieu, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, pour consumer les cadenas, tendre père, les cadenas, c'est notre Dieu, utilisé dans le monde de la sorcellerie, que les cadenas reçoivent le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, reçoivent les cadenas, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume sur notre les cadenas étudiés dans le monde de la sorcellerie. Bienvenue dans le Seigneur, n'est-ce pas? Tu vas m'aider à prier, bienvenue. Alléluia, bienvenue. Chez les vaudous, n'est-ce pas, bienvenue? On utilise les poupées, n'est-ce pas? Que tout poupée qui te représente, ou qui représente ta famille, qui représente ta bienvenue dans le Seigneur, n'est-ce pas? Pour t'injecter des maladies, pour t'injecter les malheurs, pour t'injecter la souffrance. Bienvenue, toute poupée qui te représente. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia, reçoive le feu du Saint-Esprit. Il me reçoit le feu du Saint-Esprit. Nous allons évoquer trois fois le feu du Saint-Esprit. Les poupées, bien aimé, dans le Seigneur, alléluia. Chez les marabouts, chez les magiciens qui te représentent, n'est-ce pas? Qui représentent ta famille, qui représentent ta famille. Les poupées, on injecte des maladies. On injecte les malheurs. On injecte les souffrances. On injecte la misère. Bien aimé, que toute poupée qui te représente, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Chez les sorciers, n'est-ce pas, bien aimé. Pour ta souffrance, pour ta misère. Que cela soit consumé au nom puissant de Jésus. Ou poupée, je ne sais pas, au fauteuil, n'est-ce pas, que cela soit consumé pour t'infliger, bien aimé, la souffrance, pour t'infliger la misère, pour t'infliger, bien aimé, le malheur de tout genre. Bien aimé, dans le Seigneur. Ah oui, nous allons prier. Il faut avoir la colère ce soir. Tu dois avoir la colère sainte. Au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Tendre Père. Nous élevons nos voix. Nous invoquons le feu. Et dans notre Dieu, le feu du Saint-Esprit. Tendre Père. Que tout poupée utilisée sur notre Dieu. Dans le monde occulte. Chez les marabouts. Chez les féticheurs. Chez les vaudous. Tendre Père. Que toute poupée utilisée sur pour infliger les malheurs. Les malheurs dans ma vie. Les maladies pour infliger les maladies. Les malades. Les maladies. Les malheurs. Dans la vie de mon épouse. Dans ma propre vie. Dans ma famille. Que ces poupées, ces objets, ces photos sur notre Dieu. Reçoivent le feu du Saint-Esprit. Reçoivent le feu de voir dans leur laboratoire, dans tous leurs amis, c'est notre Dieu, que le feu de Dieu consume au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous invoquons le feu de Dieu pour consumer ces poupées, le feu de Dieu pour consumer ces objets qui nous représentent, c'est notre Dieu pour nous infliger des malheurs, nous infliger des souffrances, dans les misères. Tendre Père, que ces objets soient consumés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, le Dieu de paix, tendre Père, nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas élever nos voix. Tu vas élever nos voix, bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prier, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Tout lieu utilisé, n'est-ce pas, bienvenue par les sorciers. Alléluia, bien aimé. Quel est le laboratoire des sorciers, bien-aimé? Quel est le feu de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? Localise le laboratoire des sorciers. Les laboratoires des magiciens, bien-aimé. Que le feu du Saint-Esprit le localise. Tout laboratoire, bien-aimé, utilisé, n'est-ce pas, pour nuire à ta vie. Tout lieu utilisé, bien-aimé, pour nuire à ta vie. Comme laboratoire des magiciens, des sorciers, bien-aimé. Que ces lieux-là, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, soit maintenant, n'est-ce pas, bien-aimé, consumé par le feu du Saint-Esprit. C'est comme, bien-aimé, les bâtons qui a été englouti, bien-aimé. Leur laboratoire. Leur pouvoir. Les lieux qu'ils utilisent, le laboratoire qu'ils utilisent, bien aimé, le Seigneur, alors, pour, n'est-ce pas, nuire à ta vie, pour t'attaquer, bien aimé, le Seigneur, que ces lieux-là, bien aimé, soient neutralisés, soient engloutis, alléluia, par le feu du Saint-Esprit. Élevons nos voix, programme-toi pour le feu du Saint-Esprit, de trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, nous invoquons le feu sur notre Dieu pour localiser, que ton feu localise le tremblement de terre, tendre Père, que les tonnerres, n'est-ce pas, localise tout lieu utilisé sur notre Dieu dans le monde occulte pour nuire à nos vies, pour attaquer l'église, pour attaquer nos familles, tendre Père, pour s'opposer à ta volonté, que tout lieu utilisé sur notre Dieu, que le feu de Dieu localise ces lieux, que le feu de localise ces lieux, au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit tendre Père, le feu de voilà localise ces lieux, alléluia, que le feu de Dieu consume ces lieux, neutralise ces lieux, les tonnerres du Saint-Esprit tendre Père, alléluia, alléluia, engloutis ces lieux, que ces lieux soient dispersés au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour infini au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, Dieu grand et redoutable. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prendre, n'est-ce pas, bien-aimé, tout, n'est-ce pas, bien-aimé, toute marmite utilisée, n'est-ce pas, bien-aimé, pour cuire ta vie. Toute marmite utilisée, n'est-ce pas, bien-aimé, pour bouillir, pour toute marmite de fétiche. Marmite de sorcier, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour cuire ta vie. Toute marmite utilisée, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour t'attaquer, bien-aimé. Que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, n'est-ce pas, consume et neutralise toute marmite de la sorcellerie, bien-aimé, dans le Seigneur. Marmite de la sorcellerie, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Toute marmite de la sorcellerie, tout pot de la sorcellerie, bien-aimé, dans le Seigneur. Que ce soit en dessous du lit, que ce soit dans les cimetières, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le zèle, que ce soit sous l'arbre. Bien-aimé, toute marmite de la sorcellerie, bien-aimé, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. J'ai dit bien, toute marmite de la sorcellerie soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, élevons, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Prenez trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton feu éternel, notre Dieu. Le feu dévora, le feu du Saint-Esprit, pour consommer toute marmite utilisée sur notre Dieu. Contre rénover toute marmite utilisée sur notre Dieu, pour nuire à nos vies. Que toute marmite de la sorcellerie, toute marmite de la sorcellerie, soit consommée par le feu du Saint-Esprit. Dans ma famille, dans ma belle famille, tendre Père, autour de moi, dans mon quartier, dans le monde entier. Toute marmite utilisée sur notre pour nuire à ma vie. Toute marmite de la sorcellerie utilisée pour nuire à ma vie, pour nuire à la vie de mon frère, pour nuire à la vie de l'église. Tendre Père, que ces marmites reçoivent le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu de voir, le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invoquons le feu. Dieu Tout-Puissant, merci. Le feu de voir, le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, merci. Que ton feu consume toute marmite utilisée, tendre Père, dans le monde de la sorcellerie, contre nos vies, contre nos familles, contre notre destinée. Que ces marmites, notre Dieu, reçoivent le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que le pot, c'est notre Dieu, les pots utilisés, que ce soit dans le cimetière, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans le zèle, que ce soit au-dessus des arbres, que ces pots reçoivent le feu du Saint-Esprit, le feu de voir, le feu du Saint-Esprit. C'est notre Dieu, merci, c'est notre Dieu. Alléluia, que tout pot utilisé, le pot de la sorcellerie, soit consumé par le feu de voir. Alors, nom puissant de Jésus, que le feu de tendre Père consume les pots de la sorcellerie, consume la marmite de la sorcellerie, le feu de voir, le feu du Saint-Esprit. Localise cette marmite, localise ces pots, tendre Père, localise ces pots au nom puissant de Jésus-Christ et brise la puissance de la mort qui se trouve dans les pots au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Bien-aimé, que tout fétiche, bien-aimé, utilisé quelque part, n'est-ce pas, pour nuire à ta vie, à ta famille. Tout fétiche, toute amulette, fétiche, amulette, objet, bien-aimé, dans le Dieu, utilisé, n'est-ce pas, pour nuire à ta vie. Tout fétiche utilisé pour nuire à ta vie. Toute amulette, bien-aimé, toute chaînette, toute bague, tout anneau, n'est-ce pas, bien-aimé, toute gourmette, bien-aimé, utilisé pour nuire à ta vie, bien-aimé, le Seigneur, ou nuire à ta feu, n'est-ce pas, que le feu de Dieu neutralise, engloutisse ses pouvoirs. Que ce pouvoir soit englouti par le feu du Saint-Esprit. Que ce pouvoir soit englouti par la puissance du Saint-Esprit. Le pouvoir de tout fétiche, le pouvoir de toute chaînette, de toute gourmette, de tout anneau, bien-aimé dans le Seigneur. Que le pouvoir soit englouti par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit est notre Dieu. Nous invoquons le feu de voir, le feu du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia, pour briser le pouvoir de tout fétiche, le pouvoir est notre Dieu. Alléluia, de tout objet, le pouvoir c'est notre Dieu, de toute chaînette. Tendre Père, nous brisons leur pouvoir au nom de Jésus. Le pouvoir c'est notre Dieu, de tout portefeuille magique. Tendre Père, de toute gourmette, de tout anneau magique, le pouvoir de toute chaînette magique, que le pouvoir soit neutralisé, soit brisé, au nom puissant de Jésus. Je brise le pouvoir de toute fétiche, c'est notre Dieu. Fais contre ma destinée, fais contre mon épouse, fais contre ma vie, fais contre ma famille, que tout fétiche soit consumé, fais contre la vie de mon frère, la vie de ma soeur, fais contre l'église, que ces fétiches reçoivent le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci.
Grand roi de Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Allez, bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prier, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas maintenant prier pour lui, c'est notre Dieu. Alléluia. Que les sceptres, les bâtons de la sorcellerie, n'est-ce pas, dans ma famille, autour de ma famille, les bâtons de la sorcellerie qui s'élèvent contre moi, qui s'élèvent contre l'Église, qui s'élèvent contre mon ministère, que les bâtons de la sorcellerie soient engloutis par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour dire, notre Dieu, que tout bâton de la sorcellerie est franc contre ma vie, est franc contre ma destinée, contre ma famille. Alléluia. Que ces bâtons soient engloutis par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Engloutis par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Élevons nos voix bien-aimés, proclamons, n'est-ce pas, bien-aimés de la Seigneur. L'étonnerie du Saint, tu vas engloutir que tout pouvoir, tout bâton de la sorcellerie, tout sceptre de la magie, tout bâton de la magie, tout bâton de la sorcellerie, bien-aimés de la Seigneur, soit englouti par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimés de la Seigneur. L'étonnerie du Saint-Esprit, le toi, l'étonnerie du Saint-Esprit, bien-aimé, commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que tout pouvoir de la société soit englouti par la puissance du Saint-Esprit. Et Éternel, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia, tendre Père, merci, que tout pouvoir de l'occultisme, bien-aimé, tout pouvoir de la magie, tout pouvoir, bien-aimé, de le Seigneur, alléluia, de la magie, de l'occultisme, n'est-ce pas, bien-aimé, de le Seigneur, soit englouti, bien-aimé, de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie et autres, que tout pouvoir qui s'élève contre ta vie et ta destinée, soit englouti par la puissance du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix avec notre Dieu, que toute sorcellerie qui s'élève contre ma vie et contre ma famille soit engloutie par la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, englouti, éternel, consume tout pouvoir de la sorcellerie dirigé contre moi, dirigé contre ma destinée, dirigé contre ma famille, contre mon épouse, contre mon ministère, contre mes biens matériels. Tendre Père, que tout pouvoir de la sorcellerie soit neutralisé, soit consumé. Tout pouvoir de l'occultisme, tendre Père, dirigé contre ma maison, soit neutralisé, soit brisé, soit englouti, tendre Père. Désormais, tendre Père, que tout pouvoir de la sorcellerie dirigé contre ma vie, dirigé contre ma maison, soit englouti au puissant de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie, tendre Père, dirigé contre ma famille, dirigé contre ma destinée, dirigé contre l'Église, dirigé contre tendre Père. Alléluia, l'église de Jérusalem, alléluia, l'église de Dieu en Belgique, que ses pouvoirs soient engloutis par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, engloutisse le pouvoir de la sorcellerie dirigée contre nos vies, contre nos familles, contre l'église, au nom puissant de Jésus, que ses pouvoirs soient engloutis, que ses pouvoirs de la sorcellerie soient engloutis, le pouvoir de l'occultisme, le pouvoir de la magie, le pouvoir tendre de la franc-maçonnerie, le pouvoir de notre Dieu, alléluia, de la rose-croix, soient engloutis, que toute puissance de l'ennemi, tendre Père, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous invoquons, tendre Père, la puissance du Saint-Esprit, le feu dévorant pour engloutir sur notre toute puissance, tout pouvoir de la société qui s'élève contre nos vies. Au nom puissant de Jésus, que cela soit englouti par le feu dévorant, par le feu du Saint-Esprit. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia, tendre Père, merci. Alléluia, Rokoboya Karaba. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, bien-aimés, que tous les sorciers, bien-aimés, n'est-ce pas, tous les magiciens, n'est-ce pas, utilisant certains objets, bien-aimés, pour nous faire du mal, pour nuire à nos vies, à nos femmes, bien-aimés, n'est-ce pas, qu'ils soient neutralisés dans leur pouvoir, qu'ils soient, bien-aimés, n'est-ce pas, ôtés de leur pouvoir au nom de Jésus. Les sorciers, les magiciens, les occultes, bien-aimés, utilisant certains objets, n'est-ce pas, pour nuire à nos vies, n'est-ce pas, bien-aimés, qu'ils soient anéantis dans leur pouvoir, qu'ils soient, bien-aimés, qu'ils soient, n'est-ce pas, bien-aimés, qu'ils soient, que leur autorité soit, leur soit retirée par la puissance du Saint-Esprit. Élevons nos voix, commence à prier, tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, que ton feu est notre Dieu, nous invoquons le feu sur notre Dieu, que tous les sorciers sur notre Dieu, le prêtre maléfique, le prêtre satanique, qui utilise des objets, tendre Père, pour nuire à nos vies, qu'il y a un certain pouvoir occulte pour nuire à nos vies, tendre Père, qu'ils soient sur notre Dieu, qu'ils soient neutralisés dans leur pouvoir, qu'ils soient neutralisés dans leurs œuvres, au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu de Dieu, localisé notre Dieu, tous les sorciers, les magiciens et occultes, qui s'élèvent contre nos vies et contre nos familles, qu'ils soient neutralisés, tendre Père, dans leur pouvoir, qu'ils soient neutralisés, paralysés dans leur pouvoir, au nom puissant de Dieu, qu'ils soient neutralisés, c'est notre Dieu, comme c'est notre Dieu, les serpents de Moïse, avaler les serpents de Jeunesse et Jambresse, tendre Père, que toute opposition, c'est notre Dieu, à la volonté de Dieu dans nos vies, par la puissance de la sorcellerie, soit neutralisés, soit anéantis, au nom puissant de Jésus, tendre Père, que tous les sorciers qui se naissent contre l'Église, qui se naissent contre le corps de Christ, tendre Père, qu'ils soient neutralisés, anéantis dans leur pouvoir, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, les dieux de victoire, les dieux de grâce,
grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire, tendre paix. Que toute autorité satanique maléfique, tendre paix, soit néantie, soit brisée. Au nom puissant, nous anéantissons, tendre paix. Par la puissance du Saint-Esprit, toute autorité maléfique soit néantie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tendre paix, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons au nom de Jésus. Nous venons par la puissance du Saint-Esprit neutraliser toute autorité maléfique, toute autorité de la sorcellerie, toute autorité diabolique, soit néantie, soit neutralisée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que toute puissance qui s'élève contre ma santé, contre notre Dieu, mes finances, contre mes biens matériels, à te tendre paix, soit neutralisée, soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le Dieu de victoire, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté, ton nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Prions pour tous ceux qui sont malades. Que la main de Dieu, n'est-ce pas, détruise la puissance de la maladie. Maman Fifi, notre sœur Laetitia, n'est-ce pas, maman Joséphine, bien-aimé, prions, n'est-ce pas, notre sœur Claire, n'est-ce pas, maman Albertine et Condo, bien-aimé, prions, n'est-ce pas, que Dieu neutralise la puissance de la maladie dans leur corps. Élevons nos voix. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions pour tes enfants qui sont malades. Nous transportons maman Fifi devant ton trône de la grâce. Maman Albertine Kondo, notre sœur Laetitia, nous anéantissons la puissance de la maladie dans leur corps. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix dans la vie de tes enfants, dans l'église éternelle, notre Dieu. Nous brisons la puissance de la maladie dans la vie de notre sœur Claire, dans la vie de maman Fifi, dans la vie de maman Albertine Kondo, dans la vie de maman Joséphine. Nous brisons la puissance de la maladie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Alléluia, tendre Père, merci. Élevons nos voix bénies dans le Seigneur. Prions, n'est-ce pas, rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont été éprouvés, n'est-ce pas, bénis, qui ont perdu le leur, n'est-ce pas. Rendons grâce au Seigneur pour toutes ces familles. Papa François, maman Françoise, bien aimé dans le Seigneur. Pasteur Jacques Malela, pasteur Annie Moadi, pasteur Paulin Colo, bien aimé, rendons grâce au Seigneur, que Dieu continue, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit continue à faire son œuvre de consolation. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, merci. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre de consolation dans la vie du pasteur Paulin, dans la vie de papa François, ainsi que toute sa famille, dans la vie éternelle, notre Dieu, de pasteur Annie Moadi, pasteur Serge Jacques Malela, dans la vie de notre sœur, c'est notre Dieu, de Tibéa. Nous prions pour la puissance de la consolation au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur tes enfants. Merci, tendre Père. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci. Élevons nos voix, bien-aimés. Remercions le Seigneur. Bénissons le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci, bien-aimés. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta victoire. Bien-aimés, prie, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit te rende visible aux yeux de l'ennemi par la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Remercie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci de rendre nos maisons invisibles. Que ton feu s'allume sur nos maisons, sur nos vies. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps de prière. Merci, Saint-Esprit, pour la vie de Dieu Zoé. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Merci pour ta victoire sur les œuvres de la sorcellerie, sur les œuvres de l'occultisme. Merci pour ta victoire sur les œuvres de la magie. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne. Que ton règne vienne, Saint-Esprit, dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos familles. Que le feu de Dieu s'allume sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Je prie, n'est-ce pas, que toute contre-attaque de l'ennemi après ce moment de pression neutralise toute contre-attaque de la sorcellerie contre vos vies, contre vos maisons, vos familles, n'est-ce pas, que toute contre-attaque de la sorcellerie soit neutralisée, anéantie au nom de Jésus. Je couvre vos vies et vos familles dans le sang de Jésus-Christ. J'érige la muraille du Saint-Dieu autour de vos maisons, autour de vos vies, de vos familles, au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu vous couvre, que le sang qui a été versé à Golgotha vienne dans le Seigneur vous entoure, vous, vos familles, vos biens matériels. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez bénis. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Il est 2h du matin. Que Dieu vous bénisse. De tout cœur, merci. Merci, vous êtes des champions. Oh, vous êtes des braves, des champions extraordinaires. Que Dieu vous bénisse, en tout cas. Je vous aime beaucoup, bienvenue dans le Seigneur. Persévérons dans la prière. Ne nous lassons pas de prier. Amen. Je vous aime beaucoup. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. À bientôt. Merci.
Que Dieu bénisse. Il est 2h. Nous terminons ce vendredi, c'est à 2h. Voilà. Soyez bénis. À bientôt. Merci.